Bonjour à tous, voici votre horoscope pour cette semaine du 23 au 29 octobre. Si vous voulez une consultation avec Zoé ou avec moi, vous nous envoyez un mail à l'adresse qui s'affiche. Si vous voulez peut-être des Réduction hein, sur ces consultations. Vous appuyez sur le bouton rejoindre et vous ferez partie de notre communauté avec tous les avantages que ça comporte. Il euh, y a un live, n'oubliez hein, pas, le mardi soir de 20h à 22h30, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Et nos réseaux sociaux aussi, il y a un poste quotidien fait par Zoé. Pour finir, ben, le... Site de l'astrologie c'est l'astro.com L'ambiance de cette semaine va être rythmée par l'entrée du soleil en, en scorpion. Alors vous connaissez le scorpion? Oui, sûrement parce qu'il a une réputation qui le précède partout et qui est souvent fausse d'ailleurs vous pensez que euh, avec ce, cette période qui arrive dominée par le scorpion euh, vous allez euh, avoir affaire à des personnes qui vont être négatives ou qui vont être destructrices ou qui vont euh, euh, être dotées d'une trop forte sensibilité hein, toutes les caractéristiques du scorpion mais vous oubliez que derrière hein, vous pouvez disposer et tous, hein, pas seulement les Scorpions, euh, de ce qu'on appelle euh, de la résilience. C'est-à-dire que, en fait, hein, les situations que vous allez aborder, euh, peut-être que vous les aborderez de manière un peu négative hein, et que vous vous direz oh ben non, ça peut pas évoluer bien, il peut se passer ci, se passer ça, euh, hein, et ben vous n'aurez pas tort. Il hein, faut envisager euh, les situations en période Scorpion sous tous les angles possibles, et ensuite, hein, évidemment, euh, essayer de les voir sous un angle positif et comment vous pouvez vous hein, les faire évoluer euh, de manière positive. Parce que bon, euh, c'est ça la résilience, c'est se servir finalement de ces, des épreuves que l'on traverse euh, ou des énergies qui sont des, pas toujours des bonnes énergies pour les transformer, transformer votre situation hein, en, en quelque chose de plus... Euh, vivable de, de même de plus agréable hein. et là euh, bon c'est vrai que cette année euh, bah, le scorpion va être très euh, adouci hein, euh, et, et qu'il ne va pas euh, jouer de rôle tellement euh, destructeur alors on, faut, on oublie aussi que souvent le, le scorpion qui est le huitième signe est un signe qui est lié à la productivité, aux finances, à, à tout ce qui peut nous permettre de, hein, de tirer du profit de, de ce qu'on fait. Euh, bon, euh, et là cette année, ça va être encore plus, c'est-à-dire que si vous vendez quelque chose, vous vendrez bien, hein, et si vous achetez, eh bien, ma foi, euh, Là aussi, vous aurez euh, très certainement euh, des facilités. Encore faut-il que vous obteniez votre crédit. Euh, ça, ce n'est pas, euh, vu la situation générale, c'est pas facile en ce moment. Mais bon, je euh, pense que le, le scorpion, cette année, a quand même des côtés extrêmement positifs et que vous allez pouvoir en profiter d'une manière ou d'une autre. Peut-être même. On va vous donner euh, un dédommagement pour quelque chose et que finalement vous aurez euh, l'argent dont vous avez besoin les signes euh, hein, vous qui êtes euh, scorpion bon évidemment hein, vous êtes les premiers concernés mais bon les poissons aussi et puis euh, les cancers vous allez tous euh, bénéficier de ce côté très euh, résilient du scorpion, très euh, euh, comment dire lucide, hein, parfois euh, avec un excès hein, de lucidité, mais ça peut pas faire de mal, euh, surtout si vous euh, démarrez une affaire ou si vous avez à négocier quelque chose. Euh, bon, d'autres signes seront euh, évidemment euh, plutôt content de, de cette conjoncture sans les signes de terre. Euh, vous capricorne, vous Taureau, vous, les vierges, hein, vous... le Scorpion vous regarde avec bienveillance, c'est à dire que vous aurez des facilités que sont des petits... Euh, des petits coups de pouce Hein, que vous allez recevoir de la conjoncture ou de. enfin du ciel, ou alors de, de personnes avec qui vous êtes en relation, d'amis, euh, hein, les, les petits coups de pouce, bon, ça ne va pas durer euh, toute la période, hein, chacun, chaque décan à son tour euh, aura droit à ce petit coup de pouce. Du côté de vos activités, on, on revient encore, euh, je suis désolée, mais elle est toujours là, hein, euh, sur euh, la dissonance entre Mars et Neptune. Nous avons une planète de feu, Mars, qui est en mésentente avec une planète d'eau, euh, Neptune. Alors qu'est-ce que ça donne hein Ça fait pchit. Ça fait pchit, mais ça peut aussi, hein, Neptune étant le le dieu de la mer, hein, et on sait combien les tempêtes peuvent être furieuses, il peut même y avoir des tsunamis. Bref, donc on est dans, dans quelque chose, de, hein, dans une ambiance un petit peu mouvementée, hein, au minimum, on va dire. Euh, bon, comment euh, arriver à, euh, à, à surnager Hein, euh, dans ce dans ce contexte euh, qui est donc très remuant euh, où il peut y avoir euh, des, des manifestations de foule où il peut y avoir euh, bon euh, des actions que vous allez entreprendre hein, euh, certains d'entre vous euh, reçoivent de bons aspects de Mars donc ils vont entreprendre mais avec Neptune on a du mal à aller au bout euh, pour euh, X raisons hein, on se retrouve à un moment euh, Bon, on lâche prise, on n'a plus envie, on n'a plus le désir. Mars est la planète du désir et donc quand elle est en dissonance avec Neptune, pas le désir, hein, il s'évapore un peu parce que hein, l'eau de la mer euh, s'évapore aussi. Donc si vous voulez, c'est pas euh, au niveau de vos activités, euh, disons que vous allez euh, peut-être avoir un petit peu de mal. Euh, euh, bon, chacun pour des raisons différentes, évidemment, mais que bon, vos 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 décisions. Votre, vos décisions n'aboutiront pas à quelque chose de concret, votre volonté ne pourra pas s'affirmer hein, euh, comme vous le voulez. Alors, ce que je vous conseille, bah, c'est d'attendre hein, finalement que cette dissonance se termine. Elle va se terminer là, euh, bientôt, et puis Mars va rétrograder euh, euh, finalement. Hein, ça va, à un moment ou à un autre, se terminer. Et euh, bon, à ce moment-là, bon, vous serez euh, évidemment euh, beaucoup plus tranquille, mais il faut savoir que euh, Mars euh, reviendra hein, former euh, cette dissonance avec Neptune euh, euh, dans début d'année prochaine. Mais enfin, ce sera beaucoup plus rapide. Là, le problème, c'est qu'elle stationne hein, et que donc le problème. Euh, que vous vous avez affronté ou la situation qui n'est même pas, euh, qui est peut-être juste votre, un contexte dans lequel vous êtes, eh bien ça s'est installé aussi pour le moment. Alors ceux qui, euh, euh, pour qui Mars crée des douleurs euh, bon, mystérieuses dont on ne sait pas d'où elles viennent, euh, Bon, persévérer pour essayer de trouver l'origine de ces petites douleurs ou euh, bon de, de ce qui fonctionne mal finalement. Ça peut être sur des objets aussi. Hein. Alors qui va être euh, hein, au centre de l'attention de cette dissonance Évidemment, euh, les Gémeaux, les Sagittaires, les Vierges et les Poissons, c'est-à-dire euh, vous, les signes doubles. Les signes qui sont euh, qui reçoivent déjà au départ hein, cette dissonance de Neptune qui, qui vous euh, qui met les uns mal à l'aise, qui met les autres dans une situation confuse, euh, qui met les troisièmes euh, dans une illusion, hein, une, une, une illusion dont ils n'arrivent pas euh, à se détacher. Ou euh, une relation peut être illusoire, par exemple, ou euh, vous pensez atteindre un objectif euh, que, et vous avez mis la barre beaucoup trop haut. Donc, vous voyez, euh, vous êtes dans ces situations-là, euh, il n'y a pas d'autre solution que d'essayer de, de retrouver un, un contact avec la réalité d'essayer de, de ne pas euh, euh, donner tout le pouvoir à votre imagination ou aussi il y a un côté parfois un petit peu dictatorial chez Neptune, de ne pas vous laisser influencer hein, par, des, par des personnes qui vont vouloir avoir une emprise sur vous. Hein, c'est donc euh, si vous voulez, euh, bon c'est vrai que la période n'est pas formidable, mais que bon hein, vous avez quand même euh, des ressources en vous hein, pour euh, ne pas être envahi. côté cœur, évidemment, on va parler de Vénus, euh, la planète représente hein, vos affaires de cœur, et elle est rentrée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, pile au même moment que le Soleil en scorpion. Alors Vénus en scorpion, euh, c'est euh, toute une aventure. Hein, les, les Vénus euh, en Scorpion sont des grands amoureux. Hein, euh, euh, tous ceux euh, qui sont euh, nés hein, finalement, qui sont euh, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne peuvent avoir euh, Vénus en Scorpion. Donc euh, on est dans, euh, euh, c'est vrai, dans le don, euh, dans le, euh, une volonté euh, de séduire hein, euh, et, et, et de il y a surtout un côté très sexuel, faut le dire, chez Vénus euh, en Scorpion. On, on est très attaché à la au côté euh, un, charnel de la relation et euh, en même temps on a une comme il y a le Taureau qui est en face hein, du Scorpion. Et que c'est le maître de Vénus, eh bien, il y a une possessivité, une volonté d'emprise, encore une fois, euh, sur l'autre. Il euh, y a toujours la, la, la peur d'être trahi, la peur d'être trompé. Hein. Elle n'est jamais tranquille, cette Vénus en scorpion, et vous non plus, vous ne serez pas très tranquille. Hein, tant que Vénus sera en scorpion, il euh, y aura du doute. Euh, mais vous pouvez lutter contre ça, évidemment, hein. c'est pas écrit. Euh, Nulle part que vous devez subir. Le scorpion, c'est vrai, a tendance à subir parfois, mais euh, bon, euh, les autres signes, hein, vous pouvez très bien lutter contre les tendances de cette Vénus en scorpion en étant tout simplement vous-même, hein, en ne vous laissant pas influencer, en essayant de ne pas développer des, de la jalousie ou de la possessivité vis-à-vis -vis de, de la personne que vous aimez. Euh, ou alors en étant pas trop, euh, comment dire, sur, là au niveau de l'argent, hein, parce qu'on est obligé de parler d'argent aussi avec Vénus, euh, bah, en essayant de ne pas trop dépenser, de ne pas euh, euh, distribuer votre argent de manière inconséquente, euh, ou, ou au contraire d'être trop près de vos sous. Hein, ça peut être aussi euh, avec Pluton. Euh qui est en Capricorne en ce moment, ben, ben, on est plutôt dans la conservation, volonté de conserver. Donc, euh, si vous voulez, euh, bon, cette Vénus du Scorpion, euh, elle, elle est, euh, comment dire, euh, elle vous invite à être lucide en amour et à ne pas euh, vous laisser trop influencer par vos émotions, euh, par euh, hein, tout ce qui peut être. Euh, des influences que vous allez subir. Euh, bon, il y a des signes qui ne sont pas très influençables, hein, il faut le dire, mais bon, il euh, y a quand même, hein, quand on est amoureux, quand on a quelqu'un dans le cœur, ben, on est plus influençable que d'habitude. Alors, bon, les signes d'eau, hein, poisson, cancer... Scorpion, évidemment, c'est chez vous que ça se passe. Hein. Vous avez tous les avantages de Vénus. Hein. D'une manière ou d'une autre, euh, bon, euh, l'amour va vous faire frissonner, va y avoir du désir, hein, des frissons, des papillons dans le ventre. Euh, euh, vous aurez, euh, même si vous êtes avec quelqu'un depuis longtemps, hein, on peut retomber amoureux, euh, surtout avec Vénus en Scorpion, qui, euh, n'oubliez hein, pas, la résilience du Scorpion. Donc, euh, hein, vous pouvez retomber amoureux de la personne avec qui vous êtes depuis, euh, je sais pas, des années. Hein, euh, bon, mais vous pouvez aussi rencontrer quelqu'un. Alors, bon, ce sera peut-être quelqu'un d'un peu tourmenté, qui sera jaloux, vous voyez, hein, tout, tout ce que je vous ai dit sur la Vénus du scorpion. Mais bon, attention, parce que c'est peut-être aussi vous qui pouvez vous comporter comme ça. Les signes de terre vont également être euh, bien servis par euh, cette Vénus du scorpion, même peut-être... Euh, parfois mieux, hein, parce que avec votre dimension euh, terre, eh bien euh, bon, vous serez plus raisonnable, plus euh, pragmatique et disons que si Vénus vous euh, hein, est dans un excès, euh, de sensibilité, dans un excès d'émotivité, euh, bon bah vous saurez euh, remettre les choses euh, à leur place euh, et ne pas vous laisser influencer. Je parlais tout à l'heure des signes qui ne se laissent pas influencer, vous en faites partie. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, donc vous la likez, vous vous abonnez, et puis si vous voulez en savoir plus encore, euh, et bien nos partenaires euh, RTL avec le 3210 et euh, le Figaro TV Magazine. Je vous souhaite à tous une excellente semaine.